Salut à tous et bienvenue. Avant de voir le best-of du live, je vous ai mis dans la description le lien de la chaîne Twitch. C'est l'endroit où se passent les lives sur les paris sportifs ainsi que celui du groupe Telegram pour recevoir tous les pronostics. Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi dans cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez les lives et également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Merci à vous et bon visionnage. Je vois que le pronostic, vous le vouliez. Pour le trouver, ça se passe chez Unibet, les amis. On va vibrer, les gars. Je vous le dis, 20h28, le match va pas tarder à commencer, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres pronos pendant le match. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres pronos. C'est parti, les gars, on va passer sur le live et on va espérer. On va espérer fort, hein. On va espérer fort que ça passe. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce que vous, ce soir, vous êtes serein pour moi ou pas? Grosse pression du Bayern, hein. Grosse pression du Bayern depuis les 3 premières minutes de jeu. Ah là, ça pousse du côté Bayern. Là, c'est... Oh là 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 là, un centre encore très 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 dangereux. Ça panique là, ça panique déjà dans la défense du Werder, c'est pas bon signe tout ça. C'est très très chaud, allez peut-être sur le contre là, non, il y a toujours aucun ballon favorable. Ils arrivent à récupérer aucun ballon le Werder. Ils subissent des vagues là, c'est compliqué, attention il y a Diaby qui va centrer. L'ouverture du score du Bayer Leverkusen, 1-0 pour le Bayer. Ah là 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 là, c'était pas bon, ça se sentait venir. 1-0 pour le Bayer Leverkusen, ah, ils ont craqué bêtement. Ils ont craqué bêtement, 27e minute. Ah, ils ont pas le droit de se faire avoir comme ça, ils étaient 3 contre 1 dans la surface. Ça va pas être facile cette histoire. Ouais, c'est Havertz qui marque. Ah, il faudrait que le Bayer puisse égaliser. Il y a une situation peut-être, non, ça va être un corner. Allez les gars, allez, allez, sur le corner. Il faudrait une égalisation, c'est tiré, c'est frappé. Le corner, oh c'est l'égalisation. L'égalisation les gars, un partout. Golasso, un partout, l'égalisation directement. Directement, sur le corner les gars. C'est au fond. C'est au fond, je sais pas comment c'est rentré. But, 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 les gars. L'emoji but, vous pouvez le mettre dans les commentaires, un partout. L'égalisation incroyable. Ouf. Oh là 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 là. L'adrénaline, ça égalise sur le corner, c'est ça qui est bon. Et joli but, hein. Joli but, elle est pas facile à mettre. Hein. Allez, faut tenir maintenant le Werder, là, il faut tenir. Hein. Coup franc dangereux pour un centre. Ça va être frappé sûrement par Demirbay. Ouais, c'est tiré, mais c'est au fond, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est quoi cette défense? C'est incroyable, c'est pas croyable, mais c'est... Encore Havertz, mais c'est pas possible, il est tout seul au 6 mètres, là, le gardien, qu'est-ce qu'il fout? Ah, la clim! Il faudrait un exploit maintenant pour revenir à 2-2, là. Un penalty ou un coup franc, parce que dans le jeu, ils sont pas du tout dangereux. Allez, attention, il y a un face-à-face. Non! Oh là là, l'occasion! Seul face au gardien, seul, il a tiré quoi, 2 mètres au-dessus. Ouais, 2-1 à la mi-temps. Un bel échec. Mais c'est mérité. Honnêtement, on va pas faire les rageux. Hein. C'est mérité pour le Bayern. Hein. Très largement. Derrière, le Werder, c'est pas ouf. Hein. Ouais, là, il va falloir se relever en seconde période. Hein. Franchement, après l'égalisation, j'y ai cru. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que j'y ai vraiment, vraiment cru. Vous savez quoi, je vais mettre une petite mise quand même sur le 1-4. Que si jamais Leverkusen marque un but, ça va baisser. C'est vrai que la cote est pas mal. Hein. Après la désillusion de la première période, la deuxième, elle doit être réussie. Pour prochain but Leverkusen, ouais, vous êtes nombreux à avoir misé ça. Bon, ça me va, hein, si un prochain but Leverkusen, pour mes scores exacts, c'est bien. Rachète ça, buteur, cote à 5-30. Je vais attendre, hein, je vais plutôt prendre les mecs qui vont rentrer. Hein. Ça joue à la bubble du côté du Bayern, ça sort pas trop. Moi je dis ça sent but dans le dernier quart d'heure. But après la 75e. Oh, attention, il y a un ballon dans la surface là. Pour Moussa Diaby, le centre, ça va être contré. Un but dans le dernier quart d'heure. C'est coté à combien? 1,80 les gars. Allez, je le tente. Oh attention, attention, il y a encore une belle situation là pour le Werder. Dans la surface, il y a un surnombre. Oh, c'était très très dangereux. Ils ont merdé là le Werder, hein. Il y avait moyen d'égaliser. Hein. Oh là là, il y avait, c'était chaud, c'était très chaud. Attention, ça contre, ça va de l'autre côté. Le ballon dans la surface pour Moussa Diaby. Dans la surface, le ballon au second poteau, la tête et le troisième but du Bayer Leverkusen. Ça fait 3 buts à 1 les gars, 3 buts à 1, voilà sur un contre, ils se sont fait cisailler. Et but de la tête, je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, qui a pris la cote à 4,50. Ils sont nuls le Werder, ils font n'importe quoi. En tout cas ça fait 3-1, ouh le score, peut-être un score les gars. Si on te regarde plus match, plus sur le parieur fou. Ouh attention, il y a une occasion énorme pour le Werder, une occasion énorme. Oh là là, quel raté. Mais quel raté. Où il y avait un hors-jeu.
Oh non, c'est grave, hein. C'est grave ce qu'ils ont raté. C'est très 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 grave. Hein. Là, ça va scorer encore. Ça va scorer encore dans ce match, les gars. Ok, donc il y a Bellarabi et Bailey qui sont rentrés. Waouh, ça, ça fait mal. Hein. Et merci à Max pour le follow. Oh, attention, il y a encore un ballon dans la surface. Waouh, là 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 là. Ça prend l'eau de toutes parts du côté du Werder, là. Allez, vous savez quoi, les gars? On prend Leverkusen prochain but. Hein. C'est misé. Bailey 4-25. Ah, je vais mettre des petites mises sur les buteurs. Bellarabi et Bailey, les gars, je prends. Il y a moyen de faire un carnage, là, sur cette fin de match. Il y a un centre, attention, ballon dans la surface, la frappe. Ouh, ça passe juste à côté. Pff, c'était qui? C'était Bailey, ça. Ah, c'était Bailey, non. Ouah, dommage, grosse, grosse occasion. Mais encore une fois, la défense du Werder, ils sont complètement à l'ouest. C'était dedans, c'était pareil. Ah, ils ont encore la possession, encore une attaque placée. Ça prend l'eau du côté du Werder. Le quatrième, s'il peut venir dans le dernier quart d'heure, je prends. Un but de Bellarabi à la 80e, ça me va très 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 bien. Mais attention, s'il y a encore quand même des petites phases de contre hein, de la part du Werder. Hein. Il reste 20 minutes de jeu, l'addition elle peut être très sévère là pour le Werder. Attention, le corner. Oh là 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 là, mais... Oh, le con de son camp là, il était... Mais je sais même pas comment... Oh là 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 là, là. Tout le monde était battu. Tout le monde était battu. Ils sont complètement à la ramasse, le Werder. Le bateau est en train de couler, là. Allez, c'est encore un corner. Oh là, mais wow. Encore un ballon chaud. Encore un ballon chaud, décidément. Oh, attention, attention. Il y a encore un ballon d'attaque, là, pour le Bayer Leverkusen. Ça va dans la surface, la frappe. C'est contré. Ça part en corner, encore. Kai Havertz, il est bouillant. Dans la petite conduite de balle qui va bien, là. Encore une occasion. Et ça va bien finir par rentrer, hein, du côté du Werder, là. Prochain but de Leverkusen. Elle est magnifique, la cote. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis déjà dessus. Elle a encore augmenté. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Le truc, c'est que si le quatrième but vient trop rapidement, j'ai peur que le cinquième enchaîne. En tout cas, les gars, on arrive à la 75e minute. Ce qui veut dire que si jamais maintenant il y a un but, c'est très très bien. Parce que si jamais il y a un but du Bayer Leverkusen maintenant, c'est potentiellement le grand... Pas le grand chêne, mais presque. Allez, il y a peut-être une situation. Sur la droite. Il repique au centre. Il repique au centre. Oh, il y a un bon ballon. Il y a un très bon ballon dans la surface. Il le pique. Il le met. Il le met, les gars, c'est au fond, c'est Demir Bay, ça passe, c'est bon, c'est très 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 bon, c'est très 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 bon ça, c'est dommage, c'est pas de nos deux buteurs, mais c'est très très bon quand même, c'est Demir Bay, les gars. J'espère qu'il est pas hors jeu, on va voir ça au ralenti. Si je me trompe pas, il est pas hors jeu. Oh, c'est très très intéressant, mais le Werder est tellement faible, pas d'hors jeu, c'est validé, les gars, c'est validé, yes! Ouh, c'est bon ça, c'est bon, on prend le but après la 75e, on prend prochain but Bayer, et pour l'instant on est sur le score exact à 6,50, mais on peut tenter de sécuriser, hein, parce que si ça reste comme ça, c'est jackpot, hein. Avec la cote à 6,50 qui passe, qu'est-ce qu'on fait? Il reste 10 minutes de jeu, j'aimerais tellement que ça reste en 4-1, que ça bouge plus là, et de prendre le score exact à 6,50, est-ce qu'on sécuriserait pas avec le 5-1, il est à 3,30, c'est trop faible. Je vais suivre l'évolution de la cote... Du 5-1. Ton avis, qu'est-ce qui va pas chez Brême? Il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va. Et franchement, c'est les attitudes défensives de Brême, c'est vraiment c'est Toulouse. C'est Toulouse. Je vois la même chose avec Toulouse en Ligue 1. C'est complètement désordonné. T'as beau avoir 3 défenseurs dans la surface, même s'il y a un joueur de l'équipe adverse, ça va au fond. Faites tourner. Ouais, là, si vous pouvez faire tourner tranquillement, les gars. Si prochain but il devait y avoir, il faudrait que ce soit Bailey ou Bellarabi. Allez, faudrait. Putain, le temps il passe pas vite, j'ai l'impression là. Oh, attention, il y a encore un ballon dans la surface du Werder. C'est catastrophique, ils sont trop nuls. La frappe, elle est contrée. Oh, c'est bien joué, ça joue bien du côté Bayer Leverkusen, ça joue très bien. Quel beau match ils font quand même, franchement, rien à dire. Ils les ont surclassés. Tapsoba, c'est un monstre ce soir, ouais, il fait un match phénoménal. Il a récupéré un nombre de ballons incroyable. On le tente le but ou pas? Est-ce qu'on le tente? Le 5-1, il est coté à 5,50 maintenant. Attention là, ballon dans la surface. Wow, c'est claqué par le gardien en corner, mais ça sent le cinquième but. 89e minute passée, on va arriver à la 90e minute. Le 5-1 est coté à 10. Ça peut finir en best-of. Ça peut finir en best-of, les gars. Si vous voulez mettre un petit message dans le chat, allez-y, ça passera dans le best-of. Oh, attention, la perte de balle. Aïe, 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 aïe. Il y a un contre très dangereux. Là, ça peut aller au bout, clairement. Clairement, il y a de fortes chances que ça aille au bout. La frappe, elle est quoi? Elle est contrée. Ça sera un corner. J'ai les mains qui tremblent, les gars. Corner pour Leverkusen. Ok, c'est dégagé. Attention, ça revient. Peut-être une frappe à l'entrée de la surface. Pas de coup franc, pas de faute. Ok, le ballon est revenu du côté du gardien du Bayer Leverkusen. Il reste
Une minute. On dit un dernier ballon là. Un dernier ballon pour... pour Bailey qui passe. C'est chaud, c'est très chaud, c'est très très chaud. L'arbitre va siffler les gars, l'arbitre va siffler. Ça y est, il a sifflé, ça y est, il a sifflé les gars. Il a sifflé, 4-1, le score exact. Le score exact, 4-1, 6-50. Wouah, c'était chaud, ça part en best of YouTube, salut tout le monde. Wouah là 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 là, c'était très très chaud, on a bien fait de pas sécuriser. On a vraiment bien fait de pas sécuriser les gars, quel plaisir ce match, ça avait mal commencé. J'ai transpiré, ça va partir en best-of. Hein. Ah ça part en best-of ce soir. Et wow, c'était très chaud, quel live. On va prendre une douche en direct, là je vais aller manger, je vais aller prendre une bonne douche là. En tout cas merci à tous hein, d'avoir été présents sur le live. C'était un beau match, hein, franchement c'était un super match. Bon, surtout grâce à la défense du Werder qui a été nul à chier. Mais franchement on a bien vibré. Wow, c'était énorme. C'était énorme, ce quatrième but qui a fait plaisir là. Après la déception de la première mi-temps, on a vécu toutes les émotions dans ce match. Et ça finit en apothéose. Bien joué Julien, merci débrief, merci. Bien joué Youssif, ça passe aussi pour toi. Hein. Passez une bonne soirée tout le monde et à mercredi. Ciao ciao les gars, ciao.